avec la musique. Bonsoir. Alors, Sylvie. Non, moi, je voulais dire un tout petit mot d'abord. Merci. C'est pour moi, de voir une salle comme ça ce soir, c'est un immense cadeau pour le film. Après, vous allez découvrir le film. Valérie va vous en parler. C'est génial de voir une salle complète, remplie. Et de même masqué ou pas masqué, c'est génial. Merci à tous d'être là. Bonsoir. On est très heureux, très fiers d'être là ce soir et de vous présenter ce film. Merci Richard de nous accueillir. Je voudrais remercier nos partenaires, Gaumont, TF1 et Canal+. Et je voudrais dire un grand, grand merci à Valérie pour sa confiance depuis des années maintenant et le chemin et la route qu'on a fait ensemble et qu'on va continuer à faire. Presque tout a été dit. Merci d'être là. C'est vrai que ça fait du bien de voir ces salles remplies, cette salle remplie avec du monde. J'espère que ce sera l'image de la suite pour ce film. Merci Valérie pour avoir fait cet énorme film. Et merci aussi aux partenaires financiers. Laurent. Alors, c'est la première fois que je suis au Congrès des exploitants, sur scène, grâce à Valérie, grâce à tout le monde. J'ai fait une cinquantaine de films dont certains, ont fait des succès des salles de cinéma en France. Et je place ce film dans mon cœur. Merci d'avoir été avec moi, à vous tous, d'avoir suivi, fabriqué, attendu, espéré, pendant 3 ans. Ça fait à peu près 3 ans que j'ai lancé comme une boutade de faire un film sur ces médiums. Et puis voilà, il y a notre chef d'écho le jour de la sortie de Marie-Francine qui m'a dit « je veux le faire ». Elle m'avait entendu dire ça presque pour rire. Et puis si quelqu'un veut le faire, peut-être que d'autres voudront le faire aussi. Et d'autres peut-être, comme vous ce soir et comme vos spectateurs, voudront le voir. Donc on a passé beaucoup de temps d'abord à observer, à s'imprégner des forces vives, du talent, de son modèle, de Céline. Et puis ensuite, on a préparé, et puis on est allé au Québec, trouver des acteurs formidables que je suis très contente que vous découvriez ce soir et faire découvrir au public français. C'était important pour moi, très important pour que la véracité du film qui se passe avec des interprètes québécois, même si vous ne les connaissez pas. Ils ne sont pas non plus des grandes stars au Québec, mais ils sont exceptionnels. Donc je suis très très contente de les avoir comme partenaires. Je suis toujours proche d'eux. Voilà, on s'appelle, ma mère m'appelle mon beau bébé, voilà, tout ça. C'est... voilà, on est liés à vie, je crois, maintenant. Voilà, je suis devenue un petit peu québécoise. Voilà, donc merci en tout cas d'être là. J'espère que le film répondra à vos attentes. J'espère que vous aimerez la bande-annonce qu'on vous a fabriquée, que vous allez découvrir demain. On est désolé, ça dure 2 minutes 10, mais le film dure 2 heures, donc ça fait 1% du film. Et je pense que c'était compliqué pour nous de faire plus court. On traverse quand même 84 années de vie. Donc, voilà, je ne sais pas, à part vous dire que j'ai eu hâte de le tourner, ce film. Quand on faisait les photos, les pochettes de disques, j'avais toujours hâte que ça commence. J'avais hâte que le tournage commence. On était très heureux sur le film, sur le tournage, et très heureux à en faire les finitions. Un petit coucou aussi à Isabelle qui a fait les talonnages, qui préfère rester dans le noir, mais elle a fait beaucoup aussi pour ce film. Et merci à tout le monde. Et je peins trop. Donc et on a hâte, voilà, j'ai hâte de vous le montrer. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci Valérie, vous restez avec nous, vous regardez le film avec nous. Merci à vous, je vous laisse retourner vous asseoir. Je vous souhaite une excellente soirée, on sera là à la fin. Bonne soirée.